Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte encore une fois sur un SSD, toujours un modèle Intel en série 520, avec cette fois le 240 Go. Alors, on va sortir de la boîte ce SSD, SSD qui est en SATA 3, avec un contrôleur SF2281, des puces de type synchrone en 25 nanomètres, et on va ouvrir le SSD pour voir la nouvelle disposition des puces sur ce modèle en 240 Go. On a donc ici le SSD, et ensuite le bundle avec un petit autocollant Speed Demon, une notice, tout le nécessaire pour faire la sauvegarde de votre ancien SSD, la toolbox, et l'adaptateur 2,5 vers 3,5 pouces avec les petits cordons qui vont bien, la visserie. Bref, un bundle complet. Le SSD en lui-même, le voilà. Donc 240 Go pour ce modèle-là. C'est donc un des modèles les plus gros. On a un modèle 480 Go en plus. On a ici les connecteurs pour l'alimentation, ici pour les données. Le tout est dans un sarcophage en aluminium. Nous allons sortir notre tournevis préféré et démonter tout ça, histoire de vous montrer comment et faites la disposition en interne. Alors, quatre petites vis. Vous allez voir en fait que le dessus noir est juste une entretoise, puisque le SSD est en fait un 7 mm d'épaisseur et non pas un 9,5 mm comme on pourrait le penser. Une fois qu'on a retiré toutes les vis, on est donc bien à 7 mm d'épaisseur. Ensuite, on attrape la première partie. On tourne sur le PCB. Et sur le PCB, on trouve donc de ce côté-là le contrôleur SF2281 et les différentes puces, des puces 16 Go, 25 nanomètres MLC, synchrone, et ici l'autre partie des puces. Le SSD est donné pour 550 mots par seconde en lecture, 520 mots par seconde en écriture, 80 milliops sur l'écriture 4K, le prix environ 400 € pour ce modèle 240 Go. Très prochainement, le test complet à la ferme.